T'es pas capable de t'occuper de toi. Je résume. T'es pas capable de t'occuper de toi, t'es pas capable d'être fidèle à ce que tu dois réellement protéger, c'est pas les autres. Ce que tu dois réellement protéger, c'est vivre pour toi, à l'air libre, là où t'as vraiment envie d'aller. Et c'est ça que tu respectes pas. Ne respecte pas tes envies de grand air. Tu préfères suivre. Il y a un côté, mes repères sont là et je suis prête à les suivre partout, même si ça signifie ne pas m'écouter, même si ça signifie ne pas être là pour moi, même si ça signifie faire volte-face à mes désirs qui sont là. Voilà pourquoi tu joues encore les sauveuses. T'as envie de nouvelles personnes avec qui jouer. Ce jeu t'ennuie. T'as envie d'aller voir ailleurs. T'as envie d'aller explorer d'autres expériences. Et pour le groupe, qu'est-ce que ça dit? Pour le groupe, ça vient faire résonner quoi dans le groupe? Où est-ce que je suis à ma place? Où est-ce que je suis réellement à ma place? Comment faire pour l'être? Ça vient nous questionner sur, encore une fois, un rapport paternaliste ou trop maternel avec l'extérieur. Et plus important, ça vient nous montrer de nous que sans cette question de est-ce que je suis à ma place, on est perdu. Il nous faut une question, il nous faut quelque chose, il nous faut un lièvre à suivre, un lièvre à chasser. Parce que juste rester en place en soi-même et aller découvrir qui on est nous donne beaucoup trop de fil à retordre. Voilà ce que je pourrais dire.